Écoutez-moi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oui, on écoute. Je sais où est la light fée. Oh, bon travail, elle est où? À la bibliothèque, à côté du conseil. Plutôt de l'ancien conseil. Bon, restez ici, j'y vais tout seul. Vous voulez pas que je vienne, maître? Non, c'est pas grave, j'ai pas besoin. Pourquoi, je le sens mal, moi. C'est du maître? Non, c'est pas ça, mais bon. Bon, peut-être qu'il va réussir. Où est ça? La bibliothèque. La grande bibliothèque. Puis est là. Quentin, préviens-les. Tout le monde. Romain est là. Ok. Je sais, il est juste en dessous de moi. Quand? Je crois que c'est par là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quentin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va trembler. J'en sais rien. Mais c'est pas grave. Préparez-vous dans 3. 2. 1. 0. Ah, la blanche! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était un piège. Des bombes là! Je suis tombé dans un piège. Je suis nul. Oh non! Prison de glace! Même un vautour ne se mourrait pas. Hein? C'est toi qui as fait la prison de glace. Oui, c'est moi. Mais pourquoi t'as fait tomber tout le monde là? Ah, je sais pas. Et tiens d'ailleurs, on s'est jamais combattu, nous. Je colle au plafond. Ah non! Je crois que c'est une grosse erreur, tout ça. Vite, appelle Clément. Ok, Clément? Oui, maître. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous voulez que je téléporte tout le monde? Ok, mais je vais être à vous après. Tant pis, c'est pas grave. On t'adoudera double portion. Ok. Merci. C'est parti. Hein? Tout disparu? Comment ça fait? Ah, les trouillards. On m'a tiré à moitié dans un piège. Et ils s'enfuient. C'est des nuls. Bon. Mieux vaut vérifier que la Fairy Light n'est pas là. Oui. Non. Je me doutais bien que c'était pas là. Je rentre. Quelle perte de temps. Ah. Ouais. Hein? Alors maître, c'est un piège? Ouais, mais comment tu savais toi? Je l'ai dit avant, je sentais pas bien. Je me suis fait bien avoir en plus. Mais bon, ils se sont enfuis, cette bande de nuls. En même temps, maître, ils ont ni Joseph ni Franck. Ils ont déjà des faiblesses. Ouais, mais bon. Bon, faut que je contrôle le prochain combat. Ok. Moi, Quentin, ça pourrait faire. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Bon. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais le problème, c'est que... il est trop fort. Oui, un peu. En plus, c'est moi qui l'ai entraîné pour qu'il soit résistant. Je m'en veux. Ouais, moi aussi, on aurait dû l'éliminer avant. Le prochain combat a commencé. Oh. Ah, je crois qu'on doit y aller. Tom, prépare-toi. Ouais. Quoi? Comment vous savez que c'est Tom? Je sais pas. J'ai une impression. Mais presque sûr. Je t'expliquerai pas. Ou plus tard, je veux dire. Le premier combat du troisième jour va commencer. Changement de règles pour le troisième jour et le quatrième et le cinquième. Il n'y a plus que deux combats. Bon, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de chances de gagner des points. Faut qu'on se dépêche. Le prochain combat se fera entre eux. H de Alter Force. Donc ce que le maître a dit est vrai. Ce sera contre Tom. Et Tom de Fairy Tail. Ennemi, ou plutôt concurrent, venez au milieu de l'arène. Comment Venta va se comporter là? J'en sais rien si elle va être du côté de Romain ou du côté de Tom.
Tu es prêt? Tu te rappelles de ce que j'ai dit? Quoi? Dame rouge! Vous avez 5 minutes, hop là! On regarde le combat demain? Oui, bonne idée. Ah, c'est chaud! C'est pas chaud! Tom se laisse complètement dominer. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tom a disparu. Illusion, je savais. Même en tant que mule, j'ai du mal à le battre. Si je voulais, je pourrais, mais ce serait quand même assez dur. Thérapie, je dois dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup plus rapide que toi. Un combat de rapidité. C'est vrai qu'ils sont rapides tous les deux. Mais H, voilà, elle est carrément beaucoup plus rapide. H, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Quelque chose me dit que ça va pas se passer comme prévu. D'un côté ou de l'autre. Tu n'as pas vu. Mais le High Seven est activé. De quoi? Je suis paralysé. T'as mis quoi? Le High Seven. J'ai décrit un espèce de 7 dans l'arène. Et t'es passé sur les traits. Et du coup t'es devenu paralysé. Oh oh oh, Tom reprend l'avantage. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer plein d'attaques sur toi. Quand même, je reconnais que t'es assez fort. Mais t'attends pas à me battre facilement. J'ai soufflé. C'est une des premières fois que quelqu'un arrive à me souffler en combat. Mon casque. Mon casque. Oh non. Faut que je récupère mon casque. Oh là, un match sacré sans son casque. Dis donc, tu vas avoir du mal à battre. Tu ne pourras plus utiliser sa lame rouge. Très dur. Si on faisait un petit pari. De quoi? Si tu gagnes, je me dis qui sera le prochain maître de Fairy Tail. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce pari honteux? Ah là, Hélène. Elle a bien fait ce que j'ai dit. Et si tu gagnes? Romain renonce à son but. Celui de devenir le maître de l'équipe de Fairy Tail? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il se crée pas une guilde tout seul? Il s'écrit une guilde. Pourquoi il veut prendre la guilde de Fairy Tail? Qu'est-ce qu'il a? T'es au courant pour la Light Fee? Ouais, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et à part ça, qu'est-ce qu'il veut d'autre? Ça rime spécial, ça. S'il la trouve, il devient le maître le plus fort de la région. Ok, mais je t'empêcherai. Encore. Il a remis son casque. Et ouais, je l'abandonne jamais. Je signale que moi non plus. Glace. Oh! Tu veux glacer? Ça ne fait rien. Ah, ça brûle! Ah, deux choses. Ça suffit. Je me relève. Je me reprends. Et on continue le combat. Ok, bien dit. Encore perdu ton casque. Comment ça se fait? C'est pas moi, hein, je peux pas le dire. Ice 8. Non, il a développé un autre coup. C'est quoi ça? Oh, rien de spécial, je n'ai pas à t'expliquer. Dame de glace. Tu m'as pas touché avec ta lame. T'en fais pas, je finirai par t'avoir. Vraiment. Oui? Ice 8, c'est quoi? Dis-le-moi. C'est pas important. C'est pas un effet visible. Tu m'as mis quelque chose? Non, c'est pas ça. Oh, là, tu m'as touché. Tu m'as touché. Je saigne. Maintenant, activation de Ice 8. Ah, ça y est, j'ai compris. Mais oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Activer.
Fate permet de geler tout ce qui est liquide. Comme ton sang est liquide, je l'ai gelé. Abandonne, sinon tu vas mourir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mourir quand même. Voilà, Hélène. Son sang se glace. Elle n'en a plus pour longtemps. Et j'ai de partout. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai gagné! T'en es à terre, je peux plus se relever. La gagnante est H! D'Altier Force!